Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la partie 2 de ICO. Donc la semaine dernière, nous étions avec ce garçon à cornes. Il faut qu'on fasse ça. Qui a été amené ici par trois hommes pour être sacrifié en ces lieux. Il a réussi à s'échapper parce que tout a tremblé et qu'il en a profité. Et tant mieux pour nous parce que sinon il n'y aurait pas de jeux vidéo. Et donc il a rencontré Yorda, dont il a en fait il l'a sorti de sa cage suspendue en fait. Et avec elle on a essayé de sortir par cette grande porte qui était en train de se fermer. Sauf que la mère de Yorda est arrivée en mode ben non en fait tu vas pas sortir cocotte, tu es ma seule unique fille donc non tu vas pas me laisser toute seule ici. Et du coup, donc là, nous, il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette grande porte. Là, déjà, on va faire ça. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que je recommence cette partie parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma manette Xbox. Je m'étais acheté une manette Xbox pour jouer à PCSX2. Et c'était une énorme connerie, parce que du coup là je suis avec une vieille manette PlayStation 2. Et quand je dis vieille, c'est vieille manette, hein. C'est une des premières que j'avais. Donc, lol. Et ça fonctionne mieux qu'une manette Xbox. Je ne comprends pas tout. En fait, c'est l'analogique qui est un peu... je sais pas. En fait, le truc qui est hyper relou, c'est que quand normalement c'est un délire de sensibilité en fait de joystick si j'ai bien compris, qu'il faut modifier. Sauf que la sensibilité ne m'était absolument pas proposée sur la manette Xbox et là avec la manette PlayStation, elle m'est proposée. Du coup, je sais comment faire quand je reprendrai un jour la manette Xbox si je dois jouer à Kingdom Hearts, parce que là on aura besoin d'absolument tous les boutons. Parce que là, en gros, je joue avec genre 8 boutons, enfin 10 du coup, en comptant le Start et le Select, mais en comptant le Start et le R1. Non, mais t'as pas besoin de l'appeler. Non, je voulais faire ça. Voilà, merci. Tac. Donc en fait, on peut pas déverrouiller cet endroit tant qu'on n'a pas allumé les chandelles. Parce que là, vous avez vu, ici avant, c'était pas allumé. Et tant qu'on n'a pas allumé les chandelles près de la porte, on pouvait pas déverrouiller ici. Donc là, on arrive là. Il y a des tombes partout. Désolée, je suis extrêmement concentrée. En fait, j'aimerais bien réussir à pas trop galérer. Je vais essayer de finir celui-là. Avant d'aller chercher Yorda. Ok, ça c'est bien, c'est fait. Je suis un peu les harceler là parce que vraiment. Ah merde, je crois qu'il l'a emmené. Ah non, pas encore. Pas encore. Je pensais qu'il l'avait emmené. Parce que je le voyais regarder en l'air, je me suis dit, c'est bon, il l'a emmené. Non, non, pas encore.
Pas encore. Petit peu le... Ah! Ah, c'est bon. Voilà. En général, il vaut mieux les coincer contre les murs pour pas qu'ils s'envolent parce qu'ils sont vraiment hyper relous. Bon, je m'en sors mieux que les fois précédentes. Hein. Vraiment, changer de manette, ça m'a aidé. Mais le pire, c'est que c'est même pas la faute de la manette, en fait. Je pense que c'est dû à... Je pense vraiment que c'est dû à... Par contre, stop là, la caméra. Je pense que c'est vraiment dû au comment s'appelle? À l'émulateur en fait, hein, qui est pas forcément très adapté. Parce que avant j'avais vraiment aucun problème. Hein. Et la dernière fois que j'avais joué à PCSX2, je crois pas que j'avais la version 1.6.0. Je crois que j'avais la version 1.5, mais je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre, sûre, sûre. Alors, toi, tu vas aller ici, ma petite demoiselle. Voilà, et tu vas rester là. Gentille. Tu bouges pas, hein? Putain, elle a bougé. Je la hais. Je dis ça, mais c'est pas vrai. Je ne la déteste pas. Ah oui, ce qui est un petit peu relou aussi, c'est que... des fois, elle bouge alors qu'elle devrait pas bouger. Et c'est d'un frustrant, non, l'autre côté. Voilà, parfait. Tac. Mais elle est vraiment partie. Viens là. J'ai dit ici. Là. Là. Viens. Mais non, mais... S'il te plaît. Viens. S'il te plaît. Ne bouge pas. Tu restes là, hein. Tu ne bouges pas. Je reviens. Non, parce que des fois, ça arrive qu'elle me troll un peu comme ça. C'est horrible. Alors, du coup... Ah, je voulais pas faire ça. My bad. No, no. C'est ça de vouloir faire les choses trop vite, du coup. Maintenant que j'ai une manette. Oh, mais vraiment, va falloir que je me penche sur cette histoire de manette Xbox, là, parce que vraiment... quand je vais vouloir jouer à Kingdom Hearts, ça va être compliqué. je vais galérer de fou. Personnage, ouais. Après, je crois pas que... Je sais pas. Si, je crois qu'il marche quand on appuie pas fort sur le... Sur le joystick. En fait, c'est ça le problème. C'est que, en fait, dans les jeux PlayStation, normalement, t'as un bouton pour te permettre de courir ou pas. Alors après, t'as certains jeux comme Parasite Eve 2... qui font que... Oh la vache, les petites catins! Viens là! Hop, voilà. C'est d'une difficulté sans nom. Mais en vrai, ça va mieux. C'est... Hop, voilà. Ah, je vous jure. Tac. Je me sens... Pourquoi je fais ça? Mimi. Bah oui. Bah oui, Nat. Bah oui. Soyons cohérents. Ils sont trop mignons tous les deux à se tenir la main.
Alors, du coup, moi, il faut que je grimpe ici. Oh, c'est tellement plus agréable. Oh, vraiment, je vous jure, quand j'avais réessayé la partie pour la énième fois tout à l'heure, déjà, en fait, le truc, je pense, qui m'énerve, c'est que j'ai pas excessivement le temps pour faire mes vidéos YouTube maintenant. En tout cas, pour les jeux vidéo. Et je pense que le fait de manquer de temps comme ça m'a. Enfin, du coup, je suis en perte de patience, en fait. Et vraiment, ça m'a fâchée. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fâchée. On va l'appeler. Parce qu'en fait, vous voyez, elle est à l'autre bout. Et en fait, on va se faire attaquer dans cette zone par énormément de monstres. Et le truc, c'est que cette échelle est hyper chiante parce que les créatures peuvent vous attaquer d'ici. Et c'est hyper relou, en fait, à récupérer Yorda et tout. Enfin, vraiment, c'est assez infâme. Hop, ok. Donc là, on va sauter. Je sais que tu ne peux pas venir, t'inquiète pas. J'aille comme ça en face. Oh, elle est trop mignonne. Bon, reste là. Moi, je vais me balancer. J'espère qu'elle va réagir parce que vraiment, elle me casse les noisettes. Allez, saute! Dépêche-toi! Dépêche-toi, je me fais attaquer! Allez! C'est bien! C'est bien, c'est bien, c'est bien! Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai dû recommencer ce passage. C'est... Oh là là! Oh, je suis contente de l'avoir fini, ce passage. En fait, le truc, c'est que ils sont... c'est tellement difficile de... Comment dire? En fait, le bâton il fait vraiment pas de dégâts, du coup c'est un peu, c'est un peu compliqué, quoi. On va dire ça comme ça. Hop, alors nous faut qu'on monte ici. Tac. Voilà. Donc là on grimpe tout en haut en fait d'un moulin à vent. Et je crois qu'il faut qu'on grimpe sur une... Il me semble, ça fait longtemps. Si je me rate... Et c'est marrant parce que la première fois que j'ai joué, vraiment, j'étais sûre et certaine que je pouvais faire ça. J'en étais certaine. Et en fait, quand je l'avais, en fait, je l'avais tenté, mais plusieurs fois j'étais tombée, donc j'avais pas réussi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais passé 3 heures à essayer de le faire, vraiment 3 heures. Et je me suis dit au bout d'un moment, mais c'est pas possible en fait à faire. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est autre chose qu'il faut faire. Du coup, un peu stupidement, j'ai et oula, non, on va pas aller. Hop, on va activer ça. Du coup, j'avais arrêté de jouer parce que ça m'avait vraiment fâchée. Et je crois que c'est la toute première fois où j'étais allée chercher une solution. Du coup, alors soit j'avais demandé à une pote qui l'avait fait, parce qu'elle, c'était avec elle que j'avais fait Shadow of Colossus. Soit c'était ça, soit j'avais regardé sur internet, un des deux. Mais j'avais demandé la solution parce que vraiment j'étais en mode mais je comprends pas, je n'y arrive pas. Et quand j'ai su que c'était le... Si c'était sur internet. Quand j'avais vu du coup que c'était en effet en passant par le... Parce qu'à l'époque on n'avait pas tant que ça de vidéos en fait sur le sujet et puis internet n'était pas illimité à l'époque. Du coup, bah en fait, quand j'ai lu que si, en fait, fallait passer bel et bien
par le moulin avant, je me suis dit, bon, c'est juste moi qui est teubée, qui n'y arrive pas en fait, c'est juste ça. Et oui, c'était juste ça, c'était juste moi qui n'étais pas douée. Bon, désolé, hein, je sais que je pourrais aller plus vite, mais c'est vrai que j'ai tellement peur de me foirer que voilà quoi. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Alors, par contre, je suis en train de me demander. Ah non, ok, ça va, j'ai l'heure ici. Alors, du coup, je veux passer par ici, merci. Bien aimable. Alors, il y a quoi ici? Non, il n'y a rien. Hein, je crois qu'on peut pas sauter sur les trucs arrondis comme ça, là. Espèce de pierre. Alors, là, il y a un truc fermé. Là, il n'y a rien. Ok. Du coup, hop. Bah, c'est moi qui suis stupide ou... Ah, ok. Encore? Non, c'est une plaisanterie. On se fait harceler de fou, hein. D'autres amateurs? Je sais pas s'il faut les éliminer, ces petits trucs en fait. En fait, ils ont pas l'air d'être méchants. Enfin, je sais pas comment expliquer, on dirait juste des observateurs ou des... On va les appeler des témoins. Donc là, il y a une porte. Alors nous, notre but, ce serait de lui ouvrir. Faudrait qu'on lui ouvre. Et je sais pas par où faut qu'on passe, en fait. Là, on a une espèce de truc sur le côté. Ok. Ah. Oui, bah je sais, excuse-moi. Ah non, ok, si. Ça, je me souviens. Ok. Oh, Yorda! Je vais t'ouvrir. Attends-moi. Alors, ça ouvre quelle porte? Yeah! Parfait. Alors, du coup, ça ouvre cette porte-là. Donc, il faut... de ce côté et il faut qu'elle ouvre ici. Viens. Voilà, c'est bien. Tu bouges pas, hein? D'accord? Alors, voyons voir. On a un truc ici. Oh! On peut grimper. Ok. Ah bah, je pense que oui, ça doit être par là. Passer, j'imagine. Ok, donc là je vais là et je crois que je la récupère au trou. Bizarre de comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. En fait, rien que je trouve Yorda, je la trouve absolument magnifique. Elle est très bien dessinée.
Alors, du coup. Ouais, viens avec moi. Oh, je me souviens plus trop. Ah si. Waouh. Je crois que je vais l'abandonner genre pendant un petit moment, la pauvre. Alors. Hop. Alors, par là, je ne peux pas passer parce qu'il y a une. Je vais devoir descendre une caisse. Et là, je crois que c'est un peu pareil. Donc, en fait, il faut que je descende par ici, je crois. Heureusement qu'il y a une plateforme, hein, parce que sinon, je pense que beaucoup de gens seraient morts. Hop. Oui, du coup, je vais passer par là, s'il vous plaît. Ah, je pensais que quand on arrivait au bout, ça nous faisait tomber tout seul. C'est bien qu'ils aient, enfin, entre guillemets, évité de faire un truc comme ça parce que c'est un coup à se faire, à se suicider sans faire exprès. Ça n'a pas de sens de dire suicider sans faire exprès, parce qu'un suicide, c'est fait exprès normalement. Mais ouais, c'est bien joué les mecs d'avoir pensé à ça par contre. Hop, tac. Parfait. Alors, du coup, là, on descend. On va ramener la caisse ici. Hop. Bim. Ah, en fait, non. J'aime pas les trucs qui volent, ça m'énerve. Pour moi, c'est de la triche, ça. Hein. Déjà, on va tuer le gros là parce que vraiment, il est. Par contre, il part où le gros? Oh, mais non, c'est une plaisanterie. Oh bah, pff, oui, d'accord. Bah oui, très bien. Pile poil, hein. Bon, au moins, elle est en hauteur, j'ai envie de dire. Toujours ça de prix. Viens, Yorda. J'adore parce qu'il y a le canapé qui brille alors que je crois pas qu'on puisse que nous puissions sauvegarder. Je ne pense pas. Cela m'étonnerait fort. Ouais, désolé, je sais pas pourquoi j'ai presque paniqué. Lui il me saoule. Vraiment. Ah, un en moins, enfin. Putain. Oh là là. Voilà, lui je vais le caler ici. Oh là là, ils m'ont saoulé. Vraiment. Ça y est, c'est bon? Je peux continuer là? Oh, les vilains méchants. Du coup, toi tu restes là, Yorda. D'accord? Je reviens. Je sais pas à quoi ça sert le. La machin là-bas. Oui, bah 2 secondes. C'est pas, j'arrive.
sec. Ah, encore un petit coup, je pense. Voilà, parfait. Du coup, hop. Ah, ok. Et du coup, il va falloir que j'aille de l'autre côté. Que je... Oui, ok, non, c'est bon, je me souviens. D'accord. Oui. Oui. Très bien, très bien, très bien. Voilà. On va replacer cette caisse-là. Alors, du coup, vous inquiétez pas si dans les futures vidéos vous voyez des espèces de cuts fondus. Ou même sur cette vidéo si ça m'arrive. Comment dire, il y a des fois où je sais que c'est un peu relou. Lol. On va dire ça comme ça. Et du coup, comment expliquer? En fait, je sais qu'il y a des passages où je me souviens plus trop de ce qu'il faut faire et je tourne en rond pendant longtemps. Et du coup, au lieu de vous imposer ça, je pense que je ferai des cuts ou voilà, s'il y a des trucs qui durent trop longtemps. Voilà, je vais éviter de faire, faire un peu n'importe quoi, on va dire ça comme ça. Normalement, ils vont rien faire. On va pas perdre notre temps, on va y aller direct. Hop, je bim. Voilà. De toute façon, on peut pas faire grand chose. Alors, du coup, cette caisse-là, il faut qu'on l'amène tout là-bas. Tu là-bas. Toi, monte-toi. Ça par contre. Oh, c'est fou hein, quand on joue pas un jeu pendant un certain temps. Oh là là, il y a plein de trucs qu'on oublie. Il y a vraiment plein de choses qu'on oublie, c'est fou. Mais ça fait plaisir parce que du coup, quand ça fait longtemps comme ça que j'ai pas joué à un jeu, j'ai l'impression de le redécouvrir. Et étant donné que je joue souvent au même jeu, je trouve ça sympa en fait. Non, il y a rien. Ok, on va essayer d'y arriver par là. Ça marche. Je suis où? Elle est où ma dulcinée? Ah, ok. Donc là ensuite je prends la. Ok. D'accord. Et là je cours tout au bout. La caméra là qui se déplace, c'est horrible. Des fois c'est traître, hein. Vraiment, on s'en rend pas compte comme ça en jeu, mais enfin en caméra, enfin en vidéo, je vais tous les sortir. Mais c'est traître, c'est vraiment traître. C'est vraiment un petit coup de pute.
Allez, viens, ma belle. Alors, où est-ce que je suis? Ah, ok. Donc là, on a un pont qui est levé. Mais c'est normal. C'est normal. Ok. En fait, si, ce qui peut être bien quand vous jouez à deux, du coup, et qu'il y en ait un qui prenne Yorda, c'est que je pense que si les deux s'entendent bien, il y a moyen que Yorda se fasse pas capturer. Donc là, nous sommes sur le côté. Je dirais, après ça dépend par où on regarde quoi. On va dire le. Ouais, on est sur le côté gauche de la porte. C'est normal que je hurle sans. Alors. Wow. Une épée. Je veux l'épée. Je veux l'épée. Je veux l'épée. L'épée fait plus de dégâts. Mais étant donné que parfois on a besoin du bâton pour. Allez, viens. Oh, elle monte une marche par une marche comme les enfants. C'est trop mignon. Mais laissez-moi donc tranquille. Je sais pas si on peut sauvegarder. Non, elle a pas l'air de vouloir. D'accord. Bon, c'était juste pour voir si on pouvait. Salopard. C'est ma princesse. Voilà, je vais faire ça comme ça. Parce que je commence à être ronchon là, je le sens. Mais, je peux pas taper, c'est dur. Te rends compte quand même que tu peux rien faire là, hein? Ah si, ça y est, attends, il arrive. On va essayer dans l'avenir de faire ce genre de choses, de coincer comme ça les bestiaux. C'est bon, il n'y en a pas d'autres? Vous allez pas me faire croire qu'il n'y en avait qu'un? Bah pardon. Ça a pas disparu hein, pourtant le machin là. C'est très étrange. Ah ok, on fallait bien que ça disparaisse. Ok, du coup, donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a une porte ouverte, ok. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce passage, alors je. Et puis d'un côté, parce qu'en fait, il y a deux côtés comme ça. Ah, et ici c'est fermé, il nous faudra l'épée pour déverrouiller l'autre côté. Je crois que c'est un délire un peu comme ça. Ça c'est pareil, il nous faudra le bâton avec le feu. Ok. Ok, ça marche. Viens Yorda, viens avec moi. Je ne t'abandonnerai pas. Je refuse même de te laisser seule. Viens là! Quelle autorité! Où est-ce que je suis? Là, qu'est-ce qu'on a? Qu'avons-nous là? Ah, ok. Oh! Pardon! Pardon Yorda! Je suis désolée. Oh, j'ai dû te faire peur. Petite chose. Viens.
Ah oui, donc c'est à partir de là. Waouh, ce niveau de combativité, vous avez vu? Ah, absolument incroyable. Je pense que... Oh, ces escaliers de la mort! On en finit avec celui-là. Hop, ensuite je vais me taper celui-là. Voilà, parfait. Oh, il aurait tellement pu me taper, je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Parfait. Bien. Ah, il y a un gros. Fuck. Oh, il y en a un deuxième qui arrive. Non, soyez pas méchant avec moi s'il vous plaît. Moi je suis gentille. Je voulais pas faire ça à la base, mais c'est pas grave. Je voulais juste activer ça. Hop, je pense que c'est bon, on a vaincu les machins. Hein. Hop. Donc là, il faut allumer le feu ici. Pour ouvrir là. Trop bien. Oh, on n'avait pas fini les combats! Autant pour moi, je pensais qu'on avait fini, je sais pas pourquoi. En fait, j'en ai tellement marre des combats que je veux que ça se termine au plus vite. C'est bon là? C'est bon? Voilà, merci. Hop. Alors. Oula, non, je voulais pas faire. Quelle violence. Allez, viens, Yorda. Oui, je sais, c'est dur. Je ne veux pas te laisser ici toute seule. Ok, donc vous voyez de l'autre côté, en fait, c'est également allumé parce qu'on a allumé un côté. Alors, ok. Donc là, on a château de ce côté. Oh là 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 là. C'est dommage que mes touches. Il y a vraiment des magnifiques paysages. Enfin, des magnifiques paysages. Je veux dire, pour une PlayStation 2, quoi. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, peut-être que. Peut-être que c'est bon, en fait, ça. Bah oui, non, ça a l'air d'être bon, en fait. Autant pour moi. Il y a une échelle par là. Et je me demande si. Je pense que je vais laisser Yordala. Parce que, à mon avis, j'ai pas besoin d'elle. Je vais voir, mais il me semble que je n'ai pas besoin d'elle de ce côté-là. Tac. Ouais, c'était bien ça. Ok. Donc là, en fait, il faut que je. Que j'allume ça. Que je tombe ici. Que j'allume celui-là. Hop. Voilà. Et si jamais votre bâton s'éteint avant que vous atteigniez l'autre, c'est pas grave, vous pouvez rallumer votre bâton avec le premier que vous venez d'allumer. Au pire. Donc là, il nous reste une ouverture à faire. On va chercher Yorda, n'est-ce pas? On va pas la laisser là-bas toute seule. Il me semblait bien que de ce côté, j'avais pas besoin. Et je crois que par contre, sur la porte, enfin sur le côté droit. Il me semble que c'est l'inverse. Par contre. Mais je suis vraiment surprise de ne pas avoir besoin de modifier ça parce que vraiment. Mais non, ça m'a l'air d'être bon en fait. Bon,
Yorda! N'aie pas peur. Moi, je suis gentil. Moi, je suis le gentil garçon aux cornes. Allez, viens. Oui, t'es une gentille fille. Donne-moi la main. Brave fille. Tac. Hop. Du coup. On va grimper. Don't worry about a thing. 'Cause when a little bird, it'll be alright, alright. Tac. On doit pas être loin des 40 minutes en vrai, maintenant que j'y pense, en fait. Du coup, ouais, je vais en rester là, je pense. Donc on vient de déverrouiller une épée, du coup, qui va nous servir. Mais je vous montrerai ça du coup la semaine prochaine. On finira ce lieu. En fait, j'avais espéré finir ici, mais j'ai peur que ce soit trop long parce qu'il y a encore un petit peu d'escalade à faire. Et étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, je vais pas continuer un truc si c'est pour que je fasse des vidéos de 50 minutes. C'est pas trop la peine. Donc. Oh, vu Rufus son cou, elle est trop mignonne. Je sais pas ce que j'ai avec les personnages mignons comme ça, mais j'ai trop chaud à faire des petits trucs un peu. Osef. C'est trop mignon. Du coup, donc on a plutôt bien continué. En vrai, je suis assez surprise d'être déjà là. Je me souvenais pas que c'était aussi court. Il me semble que l'autre côté de la porte est plus long à faire de mémoire, mais après il y a vraiment beaucoup, enfin beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire quand on compte les combats, quand on compte les acrobaties, tout ça. Donc voilà, du coup, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, du coup, on va continuer gentiment Ico la semaine prochaine. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite une bonne après-midi et à la semaine prochaine. Salut tout le monde!